Bonjour, je m'appelle Léa de l'atelier Céramuse et aujourd'hui je vais vous montrer comment on fabrique un vase à la plaque. Pour réaliser un vase à la plaque, il va nous falloir tout d'abord deux gabarits, un pour le socle, rond, et un pour les parois du vase. Ensuite, il va nous falloir une pique en bois, de la barbotine, une réglette, et un outil en bois qui va nous servir à découper la terre. Au préalable, j'ai déjà découpé le socle en terre à l'aide du gabarit qui est rond. Et maintenant, je vais découper les parois du vase, donc avec la réglette en bois pour bien suivre les contours du gabarit. Et voilà, maintenant, on a le rectangle qui va nous servir à monter les parois du vase ainsi que le socle. Il faut maintenant guillocher tout le contour du cercle. C'est ce qui va permettre en fait que les deux parties se collent entre elles. Il faut également guillocher les parties qui vont venir se coller contre le socle, ainsi que les deux parties qui vont venir fermer le vase. Alors ensuite, on va venir coller les parties entre elles avec de la barbotine. Donc c'est un mélange de terre et d'eau qu'on applique avec un pinceau en tapotant comme ça partout où on a sgraffité. Voilà, et pour finir, on colle la plaque de terre sur le socle en appuyant bien. Une fois que les parois sont collées entre elles, il faut les lisser avec un outil en bois comme ça, pour vraiment faire la jointure entre elles. Et ensuite, avec une éponge humide, on lisse le vase pour qu'il n'y ait aucune trace d'outil. Et voilà, maintenant vous savez comment on fabrique un vase à la plaque.